Bonjour à tous les amis, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, exploration paranormale dans un lieu d'exception. On est dans un très vieux château à l'abandon. Comme vous pouvez le voir, il a été quand même pas mal retourné, c'est dommage. Comme d'habitude, un saccage. Mais il reste encore de très belles pièces à visiter. On va faire le tour ensemble. J'ai mon détecteur EMF avec moi. N'oubliez pas de commenter, liker, de partager, de me suivre sur Instagram pour les coulisses. C'est parti, je vous emmène dans une nouvelle aventure paranormale. Donc là, voilà, magnifique salon. Il a été malheureusement vraiment bien retourné. C'est vraiment navrant de voir ça comme toujours. Regardez cette photo. Elle est trop belle. La bibliothèque, elle était juste monstrueuse. Et encore le très beau livre en place. Ça, il touche pas. Juste magnifique. Ne pas fermer la porte. Ouais, peut-être qu'elle devait rester bloquée. Il y a l'extincteur là. Bonjour, je m'appelle Sébastien. Et s'il y a quelqu'un ici parmi nous, n'hésitez pas à vous approcher de mon petit boîtier, de ce petit boîtier, à faire un bruit, à taper dans un mur ou à parler le plus fort dont vous pouvez. Vous puissiez, pardon. Après, je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Je suis accompagné de Sophie et de Clément Exploration. Comme d'habitude, mon petit binôme. Donc là, on est tous ensemble. J'ai fait mon tour de mon côté pour être un peu plus au calme. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont exactement. Moi, j'ai dit allez-y. Je fais mon tour de mon côté pour essayer de voir s'il y a possiblement quelque chose de paranormal ou non. Ils ont vraiment tout retourné. Hein. C'est très très joli après. Avec les vieilles lunettes posées encore. Une vieille photo de classe. 1987-1988. C'est bizarre. Ah non, 37-38. Waouh, regardez ça un peu. Le standing de l'époque. Vraiment très très beau. J'ai autre pièce. C'est jonché de papier, ils ont tout jeté par terre. C'est une honte. Ils ont vraiment aucun respect, tous ces voleurs là. Ça m'énerve en fait de voir autant de mépris pour nos ancêtres. Je veux dire, l'escalier en ira après. Un petit salon encore. Au-dessus, c'est vu son dessus. Il y a un petit courant d'air de fou là. Waouh! Regardez cette fontaine devant. Une photo de mariage, juste les gens de mariés devant. Regardez ça. Il y a toutes les dépendances après, allez voir. Vraiment magnifique. Ils avaient commencé à sécuriser. Ils ont malheureusement pas eu le temps, je crois. Regardez, ils ont tout cassé pour rentrer. Non mais. Voilà une cuisine. Avec beaucoup d'objets. Oh,
que la porte m'a poussé, quoi. C'est pour faire avec la pression, je crois, si tu dis pas de bêtises. Chit, chit. Belle chaise en cuir. Oh là 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 là. Il y a le plafond qui s'est effondré là-bas. Ils sont dessus. C'est juste formidable tout ce qu'il y a. Une plus grande cuisine. N'empêche, quand on voit tout ça, je pense que vous devez être comme moi derrière votre écran, ça doit vous faire mal au cœur de voir si beau lieu se faire dégrader comme ça, ça me... Je dis, j'en ai mal au cœur. Je trouve ça tellement bête de tout casser pour voler. Vous voler, c'est une chose, mais soyez respectueux. Beaucoup de livres. Oh, cette chambre. Oh, regardez ça. Magnifique. Avec une vue sur l'extérieur. Oui, aujourd'hui, on a un beau temps. Et ce lit, les sculptures en bois. Oh, exceptionnel. Il y a le système d'alarme de l'époque. Ah non, c'est pour rappeler, regardez, quand la personne devait être malade ici peut-être. Là, ils ont vraiment tout jeté par terre. Mais... Une salle de bain avec une baignoire. Wow. Oh, le magnifique réveil. Ah, c'est pas un d'époque. Ah, dommage, regardez. J'ai cru que c'était un vieux d'époque, mais non. Magnifique chambre, encore une fois. Des beaux livres, l'oiseau de mer, aux trois corbeaux, Miss Corleone, Suisse en idée, encore des photos de famille, regardez, là, cette pièce aussi là est formidable. Waouh! Les collectionner aussi, les pierres, parce qu'il y a des fossiles. Regardez, les fossiles de fougères.
magnifique. Beaucoup de pierres. Ah, il y a des pierres volcaniques. Ah, ça en a ramassé ce week-end, beaucoup. Oh, il y a encore une cave. Waouh. Ça sent le vin, ça sent la vinasse. Wow. Franchement, c'est vraiment une très très belle découverte. Magnifique découverte. Je vais essayer de faire plein de petits plans. Faire beaucoup de photos surtout. J'adore la photographie, vous le savez, sur Instagram. Donc n'hésitez pas, je vous dis Instagram, c'est ma deuxième maison. Encore beaucoup d'objets, l'archéologie aussi, il aimait beaucoup l'archéologie, pardon. Le vieux compteur. Oh. Très beau domaine en tout cas, dommage qu'il a été, encore une fois, saccagé. On est tous un peu dégoûtés de... Il faisait vraiment sa petite collection. Il marquait déjà les dates et tout, incroyable. Génial. J'adore ça. Quand j'étais petit, je voulais faire archéologue ou paléontologue. J'aimais aussi beaucoup la minéralogie. C'est tout ça un plaisir, en fait, tout ce monde-là. Je fais toujours, d'ailleurs. Mais c'est des métiers que je voulais faire quand j'étais jeune. Oh, la vieille machine à écrire, elle est trop belle. Ah, c'est une machine, les premières machines à écrire électriques. Oh, la malle. Wow. Ouais, elle est malle. Elle s'est sentie en avant, tu partiras. Oh là là, ce couloir. J'essaie de vous en montrer le plus possible, sans trop vous en montrer. J'essaie de ne pas me faire avoir avec les adresses, parce que là, il y a pas mal d'indices. Oh, un baromètre. Des vieilles lunettes encore. Gaffe en dessous, c'est là qu'il y a le plafond qui est, enfin le plancher qui est tombé, c'est la pièce en dessous là, dans le grand salon. Bêtisier, ce sera dedans, direct. Ah non, 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 t'as pas le droit. Dedans, direct. T'es venu là, déjà ? Hein ? T'es venu ? Non. Tu sais que tout à l'heure, il y avait un mec qui parlait en bas, je croyais que c'était bon, mais je voyais personne, je suis toute seule. J'entendais dehors des bruits, moi. Ben, en fait, là, c'est... tu l'as vu l'atelier, là ? Non, j'ai pas été encore. En fait, dedans, il y a plein de presses, de ci, de là, et je pense que c'était, tu sais, recouvrer, refaiser les vieux objets, style les fauteuils, les cils, là, parce qu'il y avait... Ouais, il devait s'occuper comme ça, je pense. Il y a marqué pot, il y a marqué ci, il y a marqué là, tu vois. Incroyable. Après, très religieux, hein, y a beaucoup de... Bah, les là-bas, le trou, hein. Ouais, je sais. Bon, du coup, on va aller voir la petite pièce, là. Ah oui. Oh, comment ils ont tout jeté. Ah, il y a une belle vieille presse. Exact. Waouh.
Mais c'est une presse à bouquins. C'est une presse à livres. Ça, c'est une presse à lithographie, je crois. C'est pas de bêtises, ou une presse pour les livres. Équipement de lustre, projecteur, séchoir, boîte, rideau. Dingue cette machine. Oh, ça, vraiment, ça me dégoûte. Comme ils ont retourné le château, ça me dégoûte. J'ai fait que râler depuis tout à l'heure. La mentalité des gens. Il y a plein d'endroits qui ont été nettoyés. Même regarde, non mais. Oui, mais il y a plein d'endroits qui ont été. Où ils font ça? Voilà, je suis arrivé au grenier. On va aller visiter le grenier. Il y a aussi beaucoup de saccages. Mais c'est des pièces assez particulières quand même. Waouh! Ah, ça sent vraiment l'ancien. Là, c'est vraiment la partie très très ancienne du château. Les chambres de bonne, on dirait. Encore un magnifique meuble. Il est complet en plus, à tous les tiroirs. Ce bureau est magnifique, j'adore. Ah, société de carrière. Divisé en 10 000 actions de 100 francs chacune, annulée. C'est comme des vases, c'est des bons porteurs. Waouh. 1910. Incroyable. Agenda 1935. Oh, wow. Alors ça c'est génial. Dommage, il n'y a pas d'écriture. 1943. C'est ouf hein, de trouver des vieux agendas comme ça. 1933, 1935, 1929. 5%. Ah, il y avait des relevés. C'est incroyable. Trouver des vieux, vieux. 1917. Waouh, j'adore. Regardez, il a quasiment pas bougé. Un agenda de 1917. Octobre. Ah, il y a tout en bonnet. Regardez l'écriture. Elle est sublime. Un agenda 1916. Ah, regardez. Vive, c'est une vieille fleur. Banque. Reçu. C'est dingue ces bouquins, cette histoire. Non, c'est temps. Ah, j'arrive pas à lire. Départ pour Rabat. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de trucs arabes, maghrébins, des pièces. Ils allaient beaucoup, je pense, c'était colonial. Ouais. Déjeuner. Déjeuner et dîner à la propriété des officiers de la résistance. Waouh, promenade, le four, papote. Affaire, incroyable. Déjeuner, ah, c'était genre les petits déjeuners avec Rabat Casablanca. Arrivé à Casa à 11h. Waouh, regardez ce que je viens de trouver, magnifique. Là, je suis en train de plonger dans l'histoire, c'est juste dingue. Je vous laisse lire un petit peu si vous voulez aussi. Allez-y, faites-vous plaisir. Vous êtes avec moi en expo. Basile et Sophia. Carte postale. Oh. Un carte postale tout court, regardez. Bizarre. Oh putain, porte-plume. Regardez.
courte plume. Avec sa plume. Ah, une petite idée. Lettre au niveau de Noailles, novembre 1913. S'excuser du long retard. Très difficile. Désir faire trop bien. Waouh, regardez ça. Il y a une sorte de tampon là derrière, regardez. Vin rouge. Oh, cette sculpture en plâtre. Encore des bons. On trouve vraiment de très jolis, encore de très beaux objets. Je sais pas vous, mais c'est juste. On fait un bon. C'est une bulle temporelle malgré le. Bordel, ça reste quand même impressionnant de voir de si beaux objets encore. Allez. Oh, la toile, elle est immense. Regardez ça. C'est dingue. Oh là là. Il y a une voiture télécommandée là-bas. Il y a plein de vieilles malles. Il y a encore beaucoup d'histoires. J'aurais aimé le connaître. Moi aussi. Éclaté. ...1924, copie de lettres. Ah oui, bon. Ah, il y a un petit poil. Ah là, c'est la tour, ok. On descend après. Là, je suis monté. Enfin, ça, c'est la tour. Courrier 1976. Wow. Agenda. Ok, 1957. Platine vinyle, elle est magnifique. Une magnifique platine. Petit rehausseur pour enfants. Le cumulus, d'accord, faut pas que ça fuit. Un bac en plomb en dessous. C'est incroyable. Allez, ça, Lily. Oh, cette poupée, elle est flippante. Un vieux lit pour bébé. Oh, il y a un piano. Waouh. Il y avait un île.
belle pièce, cette pièce m'impressionne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si oui, n'hésitez pas à faire un bruit, vous approchez ce petit boîtier, s'il vous plaît. Allez-y. Il y a Clément à gauche, pas loin. Oh là là. Allez, plus de lampe. T'as vu le grenier, Seb? Il est beau, hein? T'as vu, est-ce que t'as vu au fond la diète? La quoi? T'as vu la diète au fond? Non. Oh, le miroir, il est magnifique. Regarde, c'est ça? Oh, le miroir, il est extraordinaire. On va essayer de pas se cogner. Il est magnifique aussi. Ah, d'accord, ok. Ah oui, une vieille poupée. Il y a de la vieille poupée creepy là. D'accord, il y avait des trucs pour prendre les affaires. Ah non, c'est des colis. Bon, on va aller voir la petite pièce là. Les dépendances. C'est quand même énorme. Cette ambiance, regardez. Waouh, la cave. Oh. Regardez ça, c'est incroyable. Waouh, les tonneaux, c'est juste... Ils sont énormes. Gigantesque. Ah, il y en a d'autres là-bas encore. Immense la cave. Oh, regardez-moi ces tonneaux, ils sont monstrueux. Il y a notre citerne. Dans un coulis. Escalier en colimaçon est magnifique.
Ah oui, fais attention, on marche là. Oulala, oui. Et sorte de passerelle. Waouh, c'est énorme. C'est gigantesque. Rien que ça ici, on récupère ça, c'est juste énorme. D'accord, ok. Là, il y a la toiture qui est pourrie. C'est assez flippant quand même. Oh, la porte qui a claqué. C'est assez creepy cet endroit. Allez, on va se diriger à l'autre dépendance. Qu'est-ce qu'il y a là? Là aussi c'est tonneau. Stock de bois. Waouh, de la poterie, c'est de l'archéologie là, d'accord. Incroyable. Récupérer de la vieille poterie et tout. Les fouilles archéologiques. C'est génial avec des vieilles anses. C'est dingue, j'adore. C'est immense, hein, n'empêche. Thank you.
On va éviter d'y aller. Incroyable. J'avais commencé à faire les travaux. Quel dommage. Il y avait du coup une Xbox. Les vestes de chasseur. Ah, une infiltration d'eau, ouais. J'ai l'impression qu'il vivait plus là, c'est bizarre. Ah, c'est les chambres d'enfants là. La hache. Oh là là là, fourbi. Il y avait des aquariums. Oh le couteau. C'est dingue hein, que ce soit comme ça. Salle de bain, c'est beaucoup plus récent ici. Oh, c'est rigolo ça. Allez, on va aller rejoindre nos amis. On va voir ce qu'ils font de beau. C'est parti. Petite dépendance, je les ai rejoints. Ils devaient stocker ici les matelas du château. Et cette pièce-là, est super photogénique. Ouais. Avec le papier peint qui peint en décrépitude, c'est juste incroyable. Oh putain, ouais, l'ambiance. J'aime beaucoup ce genre d'ambiance là. Là, l'ambiance elle est complètement folle quand même. Très très creepy. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Vraiment une belle exploration. Bon, les amis, nous avons fait le tour de ce magnifique château avec ses dépendances. Une belle exploration avec la petite touche toujours de paranormal. Je pense que c'est resté assez calme, pas trop de mouvement, aucun déclenchement de cadeau. Mais une belle expérience. Et n'oubliez pas de vous abonner à tous nos comptes Instagram, TikTok, je veux dire WhatsApp, Facebook, enfin tout ça. Voilà. Tout sera dans la description, comme toujours. À bientôt pour de nouvelles aventures.